Bonjour à tous, ici Morgan van Breydan. Et on se retrouve aujourd'hui sur Model Cycle Mechanics Simulator 2021. Le simulateur de Gérard Lambert. Donc, simulateur de mécano de moto. Un jeu qui est... exactement ce que ça dit. Ça a l'air d'être de la merde. Il est... Option, il est censé être en français. Ah, il est en français. Il est à 16€ et des bananes sur Steam. Mais là, je joue une espèce de démo. Ce qui s'appelle le prologue. Qui est le... Là, il est gratuit, bien sûr. Vidéo, résolution de bâtard... Ce n'est pas ma vraie résolution d'écran, je tiens à le préciser. Mon écran est un 1920x1080, tout ce qui est plus classique. Mais faire un rendu dans une plus grande résolution, ça aide à avoir une meilleure qualité. Il paraît. Je suis parti des glandus qui ne voient pas la différence. Et donc, pseudo. Gérard Lambert. Volctoria, bah oui. Vas-y, apprends-moi à réparer ma mobilette. L'atelier de réparation permet de réparer des trucs. Wow. Les fameux conseils. Les fameuses astuces de jeux vidéo. Yeah. Ah. Ça commence mal. Ah. Je peux... Ah, ça c'est un problème. Je ne peux pas ouvrir. Attendez. Sauvegarder avec une faute d'orthographe. Non, je sors. Option, j'habilite. Ah, je peux pas changer les contrôles. Ah. Ah d'accord, je suis coincé en quartier, attendez. Voilà, je crois que je me suis mis en... Oh oui, oh, je confirme, je suis... Voilà, Lambert. Je me repasse en anglais. Commence une nouvelle partie. Oui, je commence une nouvelle partie. Je vais voir le tutoriel. Parce que donc, le jeu des contrôles en QWERTY. Il n'y a apparemment aucun réglage qui permet de les passer en AZERTY. Donc il a fallu que je change la configuration de mon clavier pour faire comme si j'étais en QWERTY. Salut! Console avec ta première quête! Appuie sur Tab pour ouvrir la tablette! Wow! Mais voir mes mails. J'y pense, t'avais des icônes de manette sur le menu, je peux jouer à la manette? Ça marche? Non! Bon, ça joue pas à la manette. Objectifs principaux: remplacer le pneu avant, ajouter de l'huile au moteur. Récompense $450! Waouh, je suis un vrai mécano! Je suis un vrai mécanicien! Remplacer un pneu, me remettre de l'huile, 450 balles! Là! Ok. Oula, l'indicateur de quête qui est. À la zeub. Salut toi! Alors. Roue avant. Ouais, roue avant. Roue avant. Attendez. Attends, ah, démonter la pièce, ajouter ou enlever à les achats, quitter le mode zoom, ouvrir le menu. Ben, je vais démonter. La roue avant. Faut s'appuyer. Je comprends rien, je te débile. Maintenez clic gauche. Maintenez gauche sur maintien droit. Quoi? Pour commencer les assemblages. Hein? Je comprends. Oui, d'accord. Donc là, je suis en mode analyse. Effectivement, le pneu est tout rouge.
passe au mode démontage. Attends. Parce que moi, je connais rien en mécanique. Ok, ça marche pas, ça. Maintien avant gauche. Je dois être un body. Maintenance de la moto. État de la moto. La roue avant est pétée, la roue arrière est moyen, moteur moyen, suspension avant moyen, suspension arrière moyen. Ouais. Je suis complètement débile. Attendez, 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 attendez. I. Maintien. Ah non, il faut que je me mette de l'autre côté. Il veut que je commence par le maintien avant droite. D'accord, donc là j'ai le droit de cliquer sur les vis. Je sais pas pourquoi il m'a pas laissé commencer par par la gauche, on voit bien ce que ça change. Je sais pas s'il y a des mécanos. T'as un commentaire qui pourra dire si! Faut toujours commencer par démonter la droite! C'est vachement important! Ensuite, je fais le serrage de frein. Qui est de l'autre côté. Oula. Oula. Oula, oula. Attends, je dézoome avec la molette. Voilà, je vire le serrage de frein. Squeak, squeak, squeak. Le son est fort. Je vais baisser un peu. Si tu veux que je vire l'étrier de frein. Ce machin-là. Ok. Puis les plaquettes de frein. D'accord. L'autre plaquette de frein, de l'autre côté, j'imagine. Non. Maintenant, la suite. Ah non, il y a une autre plaquette de frein à côté. Ouais, elle est là. Elle était bel et bien de l'autre côté. Je suis juste aveugle. Maintenant, il faut virer l'autre maintien. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il faut commencer par les maintiens droits. Parce que à gauche, il y a les freins. Non, c'est complètement con. Il y a des freins, il y a des plaquettes de frein des deux côtés. Squeak, squeak, squeak. Maintenant, je peux virer le disque de frein. Frein à disque avant. Ouais, d'accord. Ensuite, l'essieu avant. Enfin, je peux faire tout ça juste pour changer un pneu. Parfait, utilisons le démonte-pneu. Ok. C'est ça, démonte-pneu. Je monte le pneu. Ça doit pas être ça. Ah non. Je démonte la roue. Ok. C'est automatique. Oh. Je prends la roue. Maintenant, je monte le pneu. Attends. Allons à la boutique pour acheter un pneu. Urban Night Choppers. C'est un hawk, je me souviens. Roue. Pneu. Pneu arrière, bah non. Rechercher le pneu avant classique. Ok, le premier qui vient. 175 balles, ça coûte si cher que ça, un pneu. D'accord, donc je peux faire échappe pour revenir en arrière manuellement ou refaire tab pour fermer les tablettes direct. Ok. Maintenant, je vais monter le pneu. Je reprends la roue. Et je remonte la roue. Donc je mets en assemblage. Roue avant. Ah. Ah mais attends, il me faut une équilibreuse de pneus. Boutique intérieure. Qu'en faire? Dispositif? J'aime bien parce que c'est pas traduit pareil. Dans le tutoriel à côté, il dit que c'est dans appareil. Dans la tablette, ça s'appelle dispositif. Je ne peux pas recommander cette traduction. 350 $! Bon là c'est du matériel, d'accord, mais un équilibreur de pneus, je pensais que j'aurais déjà ce truc là. Non.
inventaire. C'est pareil, inventaire qui s'appelle stock. Enfin, il me faut mon équilibreur de pneus. Je peux le revendre direct. Je vais équilibrer la roue. Je récupère ma roue. Et maintenant, je vais installer la roue avant. Ah, elle est bonne qu'à 75%. Alors que c'est neuf. Je te jure, c'est un mauvais mécanicien. Du coup, je vais remettre en avant tout le bozer. En commençant par la droite. Parce que j'ai commencé par la droite tout à l'heure. Et qu'il faudrait sans doute le faire dans l'ordre inverse. Mais je suis un connard. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Ah, je peux le mettre après. Ça a pas de sens. Comment je peux mettre les cieux si j'ai déjà commencé à enfoncer cette merde? Alors attends, qu'est-ce qu'il faut mettre après? Oui, le disque de frein. Faut que je remette les plaquettes. Que je remette l'étrier. Et après, je peux remettre le maintien avant. Les cieux magiques. Bon, si ça se trouve, c'est possible hein, de remettre un maintien et de mettre l'essieu après, j'en sais rien. Il me semble avoir vu quelque part, on va voir ce système des commentaires qui disaient que oh, c'est de la merde, ça simule super mal la réparation de moto. Moi, j'y connais rien, donc ça fait aucune différence. Ok, donc maintenant, il faut que je trouve le bouchon d'huile. Où est-ce qu'on trouve le bouchon d'huile sur cette merde? Moteur. Le cylindre. La barre de frein. Corps de papillon, ça s'appelle vraiment comme ça? C'est mignon. Radiateur. Transmission. Ça doit pas être là. Je peux sauter au fait? Non. Vous entendrez que ma barre espace ne s'entend pas, alors que d'habitude elle s'entend. La raison est simple, elle est pétée. Enfin, je peux l'utiliser, mais elle est collée en bas, en fait, elle ne remonte plus. C'est où le bouchon d'huile? Cache filtre à air, pompe à essence. Là, ah, bouchon de remplissage d'huile. Ouais, j'ai le pneu avant pété et j'ai le bouchon d'huile. Attendez, il va falloir que j'achète. Non. Oui, d'accord, ce morceau, ce truc est en très bon état. Attends, je vais remettre le bouchon d'huile. Suis paumé. Trouvez maintenant le bouchon d'huile et maintenez machin dessus pour commencer la séquence de versement d'huile. D'accord, c'est là, mais un. Faut que j'aille chercher de l'huile maintenant. Bonjour, est-ce qu'il y a de l'huile quelque part ici? Ma tablette est bloquée. Table de peinture. Table de réparation. Elle est où la table d'huile? C'est moi qui suis aussi. Non, je peux, non, mais non, non, je veux pas démonter ça. C'est complètement con. Stock.
Non, c'est bon, il m'en empêche. Je peux pas me soft lock. Ok, alors ça a l'air rigolo, mais bordel de merde, je comprends rien. Comment je fais? Comment je fais pour mettre de l'huile? Est-ce que c'est moi qui suis complètement con? D'accord. Bon, j'ai jeté le vieux du pneu, c'est cool. Parce que c'est. Ouais, c'est bien ce truc-là. Bouchon de remplissage d'huile. C'est peut-être moi, mais moi, c'est pas logique que je le démonte. Hein? Voilà, j'ai retiré le bouchon. Maintenant, il faut que j'amène un bidon et que je mette de l'huile. Comment je fais ça? Au secours. Peut-être la moto. Ouais, niveau d'huile bas. D'accord, mais comment je fais pour mettre de l'huile, bordel de merde? Ah oui, les niveaux de liquide qui sont pas traduits d'ailleurs. Oh, je peux la renommer! Ah, oui, mais je peux la renommer en QWERTY. Rien se passe. Merde. Ouais, c'est la Lambert mobile. Ah, j'ai une lampe torche. Il y a deux niveaux de luminosité. Tous nuls. Il dit c'est des boutiques tout gueule. C'est quoi ça? Mais ça fait rien. Au secours! Voyez ici une diagnostic embarquée pour l'onglet pour hein, pour l'onglet pour examiner cette pièce. J'ai vraiment un mécanicien nul. Je suis pire mécanicien de la planète. Pour genre piège d'huile démontée. Mais je sais! Cette pièce a été ajoutée à la liste d'achat. Mais non, mais j'en veux pas! Il est très bien pour genre piège d'huile. 83%, c'est une de mes meilleures pièces. Ce que je veux savoir, c'est quand je mets de l'huile. Trouvez le bouchon d'huile, maintenez clic gauche dessus pour commencer la séquence de versement d'huile. Tu te fous de ma gueule, le jeu? Ginette! Ce qu'il nous reste de l'huile de moteur! Putain, tu vas pas être là. Ça sert d'avoir une gonzesse, je vous le demande. Qu'est-ce que c'est que ce placement de barrière? Quel intérêt? Ça sauve ça? Quelle maison pourrie!
Bon. Comment je mets de l'huile dans ce putain de moteur? Au secours. Oula. Qu'est-ce que... ce quoi? Non, non. Arrête. Support pied droite. Mais non, mais je veux partir à la béquille. Enfin, c'est pas la béquille, c'est le pied... J'ai cherché sur internet. Moteur Cycle Mechanic Simulator Oil. Et merde! J'écris de manière incompréhensible parce que je suis en pertinence. C'est bon, j'ai trouvé quand même! Comment on change l'huile? En fait, c'est facile. Je t'emmerde. Si c'était facile. Vous n'allez pas être co-écrire un article entier dessus. C'est important de savoir changer l'huile dans le Motorcycle Mechanic Simulator 2021. D'accord, mais je fais comment? Alors, trouve le bouchon, sélectionne-le. Vous savez, si vous êtes en mode maintenance, parce qu'en mode maintenance, des morceaux de la... Ah! Faut que je passe en mode maintenance. D'accord, désolé, j'en mets le bouchon. Je passe en mode maintenance. Excusez-moi d'avoir supposé qu'il fallait retirer le bouchon avant de mettre de l'huile. Vous permettra de voyager un peu partout. Je suis sur le placement port, puis votre moto. Piste d'essai. Oh. Je vais pouvoir conduire la Lambert mobile. Oui. Oh! Oh, c'est moi ça! Pourri! Putain, par contre, je peux. Ah! C'est de la merde! Changer de caméra. Oh, je suis beau. Oula, ouf, oula. Oula, ouf. Ah, ouf. Je bouge. Sachez que je bouge à peine la souris là. La vache, elle est sensible. Par contre, ouais, c'est bien la tronche que je m'imaginais pour Gérard à l'envers. Matez-moi ce jean! Ça, c'est Gérard à l'envers. Ah, c'est espace pour freiner, d'accord. Z pour changer les feux. Ouais, mais non, mais c'est Z, mais c'est en QWERTY du coup. Je sais pas quel est. Ok, je suis 140. C'est bien les kilomètres par heure et pas de miles. Non, 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 mais... Monsieur l'arbitre, je proteste, j'ai appuyé sur l'espace, j'aurais dû freiner. Je peux pas faire des dérapages? Parce que bon, quand j'appuie sur arrière, ça fait rien du tout, bien sûr. Ouais, ça freine si mal une moto! Pourtant, je viens de changer les pneus. Par contre, sans déconner, je peux pas faire de dérapage? Je peux pas faire de dérapage. Ok.
Au revoir. Oh, c'est débile. Plaisir de t'avoir connu. C'est sensible d'ailleurs. Genre, si je frôle un truc, est-ce que je me crache direct? Bulk. Je suis coincé. On se verra comme ça. C'est quoi ça? C'est la poubelle? Je vais pas aller à la poubelle. Je rentre au garage. Quel enfer ce jeu. D'accord, mail. J'ai gagné. Point de compétence. Oh. Permet de réparer les pièces de suspension. Bon, ça serait pas mal, ouais. Permet d'avoir des informations détaillées sur les pièces. Ouais, tout ça est bloqué. Niveau requis 9. Coût en point 3. Ah, mais ah, d'accord, les compétences co peuvent coûter plusieurs points. Je vois. Maintenant, faisons-nous plaisir en dépensant notre argent. Ah. Payer et partir. Il faut payer 20 dollars pour entrer. $20 pour entrer dans la casse. J'aimerais, si possible, j'aimerais vraiment avoir l'avis de motards et de mécanos sur ce jeu. Moi, ça m'a l'air d'être bien de la merde. Viens chercher une moto encore exploitable. Et si elle a la casse, elle peut pas être exploitable des masses, si. Oh, salut bébé! Eh bébé! J'achète. Gardez-vous avant classique. Ouais. Un pneu! Mais le cercle rouge, là, c'est son état. Genre, elle est dans un état de 33%. Bon, de toute façon, je suis allé, allons-y. C'est quoi ça? Un pneu arrière, je prends. Un autre pneu avant. Ah, il est en meilleur état, je prends. Le pneu pourri, je le vire. J'en veux pas. C'est quoi ça? Non, bon, j'aime mieux. Ah, d'accord, il n'y a pas d'inertie. À la seconde où je le lâche, il tombe à la verticale. Une selle super. Ah, j'avoue. Elle me botte. Je peux pas acheter la poutrelle là. Coup de merde. Jante arrière.
J'achète. Putain, je suis un clodo. Il y a d'autres trucs intéressants par ici? Genre ce magnifique matelas. Non. Cette cagette. Non, je peux pas. Pas acheter ce délicieux café latte encore tiède. Bon bah qu'ils ont acheté acheté voilà. Junk, ce que vous voyez, Junkers Part. Caméra, du coup je rentre. Non, raté. Carte. Parce qu'il y a une autre peinture, d'accord, c'est grouillé. Carte, donc là je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Alors, atelier de réparation, je vais pouvoir réparer toutes mes pièces de merde. Réparer. Tout. Nickel. Oh, c'est l'armée à 100%. Par contre, pneu avant chic, pneu arrière moderne, je peux pas la réparer à 100%. Je dois être mauvais. Peinture, c'est à côté. Oh, Tactical Racing, oh oui. Oh oui. Oh oui. Attendez, 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 attendez. D'accord, hein? Voilà, comme ça. Tic, 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 tic. À l'intérieur aussi. On fait ça bien. Hein? Voilà. Ok, ensuite. Alors, on fait bien. Ensuite, je le veux. Peu de noir, transparent de la grille, taille petit. Et taille très petit. Je peux pas faire plus petit. Ok, ça met mes plans en difficulté. Nier. 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 C'est cette grille nulle. Et nier. Voilà. C'est mon logo. Il est trop bien fait. Il est dégueulasse. Ah, mais j'ai un bouton peindre dans toute la pièce. Je suis trop con. Autocollant. Je mets des autocollants. Oh, ils sont moches. Oh, le macaque! Oh, le macaque! Comment je fais pour faire tourner. Cac! Comment je fais pour faire tourner l'autocollant? Eh, ça rend pas si dégueu! J'aime bien. C'est toujours mieux que mon logo pourri. J'avoue, les macaques, ils ont une présence. Voilà, belle jante Gucci. Eh, sans déconner. J'aime bien.
nul. Encore plus nul. C'est littéralement juste du noir. C'est quoi cette merde? Tu me chier. Non, mais ça ira bien comme ça. Elle est bien comme ça, ma jante. Elle est pas magnifique comme ça, ma jante. Quel intérêt de peindre la jante? Parce que de toute façon, je vais mettre un pneu par-dessus, ça se verra pas. Sinon, dans le garde-boue, ça va tout que vous avez. Oh, Ok, d'accord. Assemblage. Tac-tac. Voilà, c'est mon super garde-boue dégueulasse. On le vise, bien sûr, on est consciencieux. Wow. Cache avant droite, j'en ai pas. Roue avant. Bravo, vous avez terminé le tutoriel. Wow. Je suis. J'ai peut-être fini le tutoriel, mais. Tu vois, il y a un truc qui me gêne, poteau. Comment je fais pour démonter cette merde? Dans quelle heure ça se démonte? J'ai pas besoin de virer ça, si. Ah, si. Comment je fais pour virer la roue? Je voudrais mettre ma nouvelle roue trop bien. La roue que j'ai peinte. Bon, c'est pas grave. On va tout remettre. Oh, attends. Bon, attends, je suis obligé de la remettre. Démontage. Excusez-moi, monsieur l'arbitre. Mais cette machin est dans un état dégueulasse. C'est un état dégueulasse tout ça. Vache, ça prend du plomb. Ouais, j'aime mieux ça, ouais. Ok. Alors, on se met en mode assemblage. Tac, regardez ça, 100%. Hop là. Là, qu'est-ce que je veux? Je veux un essieu. Hop là, 100%. 100%! J'ai pas de fourche gauche. Et j'ai un étrier de frein qui est à 100%! Voilà! Ah oui, la selle! Évidemment, faut que je mette la. Oh, elle est pas compatible! Ah, la selle n'est pas compatible. Quelle tristesse. Ouais, bon. C'est un pour aujourd'hui. Ça a l'air... chiant. Mais censé... ça va que j'ai un certain talent pour dire des conneries, mais... Ouais, je suis pas convaincu. C'était juste pour la blague de Gérard Lambert, je vais être sincère. Je donne à ce prologue, à ce tutoriel de prologue, un magnifique 12 sur 20. Pour être sympa. Voilà. Au revoir à tous. Et à la prochaine. N'oubliez pas. Ah, j'ai pas le droit. Ah. J'allais faire une blague basée sur le fait de vous montrer à nouveau la tronche de Gérard Lambert. Du coup, je ferai ça au montage. Mangez vos légumes, mangez vos brocolis. Sinon, Gérard Lambert, il vient vous encastrer sa clé à molette dans le crâne.
Des bisous.